Eh bien bonjour les amis, ici c'est Coche, le retour, et pour un nouveau test matériel, enfin plutôt une présentation. C'est le nouveau disque dur externe de Miss Nothing en fait. Son ancien, enfin l'alimentation a brûlé, et donc comme c'est une passionnée de photos, etc., ben il fallait lui en acheter un nouveau. C'est ce qu'on a fait. On l'a trouvé chez Cora, le magasin Cora, donc bien connu de la grande distribution. Pas du tout spécialisé dans tout ce qui est informatique, etc. Mais c'était une promo. C'est la marque Intenso en 2,5 pouces. 1 Tera. Donc c'est nettement suffisant pour stocker vidéos, fichiers texte, photos, etc. quoi. Ah oui, donc la marque Intenso, je connais pas du tout, donc ça c'est elle qui vous le dira à l'usage ce qui vaut. Donc dans la boîte que j'ai déjà ouverte en fait, voilà, vous trouvez donc le disque dur externe à affichage LED. Le boîtier, ben il est vraiment très plat en fait, et c'est en plastique. C'est de l'USB 2.0. Vous n'avez pas besoin d'alimentation externe puisque bon, il s'alimente directement sur votre PC. Il est compatible avec Windows XP, Vista, Windows 7, Mac, OS X, Linux, etc. Donc dans la boîte, vous avez le câble USB et un manuel d'instruction multilangue, lol, mais je pense pas qu'on en aura trop besoin. Donc ici, vous trouvez le manuel d'instruction. Alors je vais vous déballer l'engin. Donc il y a un petit couvercle en plastique pour protéger le disque, enfin le matériel. Dans la boîte, vous trouvez le câble USB avec la fiche que vous fixez à l'arrière de votre disque dur. Et voilà le disque dur externe en lui-même. Donc la marque Intenso, il est vraiment très très joli comme ça, en laqué noir comme ça, brillant, très beau, très belle forme. Voilà, 1 Tera, donc je pense que ça suffira. Et ben voilà, j'ai plus rien d'autre à vous raconter dessus puisque bon, c'est pas non plus du matériel très très compliqué à présenter. Voilà. Hop. Intenso. Bon, je vous dirai ce qu'elle en pense et je vous donnerai son avis après usage. Comme ça, bon, si ça vous intéresse, pour le prix, je pense que ça peut le faire, quoi. Merci de m'avoir écouté. Un petit pouce bleu, un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ou de nouvelles présentations de matériel. Merci, au revoir et à la prochaine.